Ferdinand. 40 ans de porte-drapeau, 20 ans de président départemental, pré-départemental cantonal. Bon, j'ai 78 ans, 28 mois de guerre en Algérie. Au niveau médaille, distinction, décoration, qu'est-ce que tu as vu médaille militaire, citation à l'ordre du régiment, croix du combattant, médaille défense à la nation, médaille des 30 ans de porte-drapeau, médaille Algérie. Et médaille de guerre algérienne qu'on a dépassé après. Et tu as commandé combien de porte-drapeaux là sur Guise, la section 41. 41. Présent toujours aux cérémonies. Ah, oui, toujours présent aux cérémonies. Chemin des Dames, la Capelle. On fait toutes les cérémonies plus les défunts. Et vous vous déplacez dans un rayon de combien, vous, les porte-drapeaux, ici, de Guise, à peu près 100 km. Hein. 100 km, ah, ouais. Les plus grandes cérémonies que vous avez faites. La plus grande, c'est Cerny-en-Lannoy. Cerny-en-Lannoy, d'accord. Ouais. Après, la deuxième, donc, c'est la Capelle, tu connais. Oui. Ouais. Après, on a la Goupille, on a Saint-Algie, on a tout ça. Nouvelle génération, il y a... Non, l'attente n'est plus pareille. Non, ce n'est plus pareil, d'accord. Non. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la guerre. Parce que les jeunes, ils ne comprennent pas. Mais il y en a quand même. Il y a des jeunes qui... Oui, j'en ai 9 jeunes. Qui assurent la relève. Bah, c'est déjà pas mal. À partir de combien, de quel âge que vous les prenez? Je prends à partir de 8 ans avec l'autorisation des parents. J'ai eu le diplôme de la médaille militaire le 10 novembre. Donc... 2015, plus la médaille qui me sera remise officiellement au cimetière militaire du Sourd au mois d'août. Bon. Donc je remercie Jean-Marc Anuset, président des médaillés militaires de l'Aisne, et M. Marc Dagnou, qui est délégué des médaillés militaires, donc qui habite à Guise.